Régulièrement sur Monaco Info, nous recueillons votre témoignage. Nous avons reçu des restaurateurs, des gérants de sociétés ou de jeunes entrepreneurs qui nous ont confié comment la crise a impacté leur activité. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au marché de l'art. Nous avons contacté le président de l'hôtel des ventes de Monte Carlo. Bonsoir Franck Bay. Bonsoir madame. Est-ce que c'est un secteur qui connaît la crise On a vu vous avez organisé plusieurs ventes aux enchères en décembre dernier. Est-ce qu'elles ont connu un large succès le marché de l'art actuellement est très actif, très vivant. Ça, c'est une constatation que nous avons pu faire. On n'avait pas beaucoup de visibilité, mais on s'est aperçu qu'il euh, y avait une demande assez forte. Euh, évidemment, euh, le mode opératoire, on aura peut-être l'occasion d'en parler, a changé. Euh, mais nous recevons ici du public à Monaco euh, pour les expositions. Euh, nous avons du public pendant les ventes. Donc, c'est quand même un gros, gros avantage que nous avons par rapport à nos confrères européens. Et euh, évidemment, nous en sommes. Euh, Ravi évidemment, et euh, nous remercions euh, les autorités monégasques pour euh, cette euh, simplicité dans notre activité. Alors, puisque vous l'évoquez, comment se passe une vente aux enchères post-Covid euh, Le mode opératoire a, a changé, enfin, c'est accentué vers les, les, les ventes en ligne, bien entendu. On est, on est sur quatre plateformes euh, américaines, européennes, euh, sur Droha aussi. Bon, et donc les. les les, les enchérisseurs ont, ont adopté beaucoup plus largement ces derniers, ces derniers mois ce, ce, ce type d'enchères de, en, hein, et d'achats. Euh, ceci dit, euh, euh, les, les, les amateurs n'ont pas hésité non plus à se déplacer, on a eu des visites extérieures. Euh, notre seul souci, nous, c'est de trouver évidemment les produits et, et les objets d'art qui sont susceptibles d'attirer tous ces amateurs. On va y revenir un, un petit peu plus tard, mais est-ce que les, les habitudes des, des enchérisseurs, des acquéreurs ont changé Notre cœur de métier, c'est d'avoir un public, c'est de recevoir des gens, c'est de leur parler, c'est de les inciter, de leur expliquer. Euh, il est vrai que les enchérisseurs par Internet demandent énormément, et c'est un gros travail préalable, euh, des, des photos de détails, des, des rapports de conditions, euh, ce qui leur permet d'acheter à distance. Euh, mais évidemment, euh, rien, rien ne remplace quand même le, le toucher, le, euh, le fait de, de, de tenir un objet en main, ça c'est important. Et qu'est-ce qui plaît à, à ces acquéreurs, à ces, à ces enchérisseurs C'est justement euh, l'atmosphère en salle, le fait de, de pouvoir euh, acquérir une, une pièce unique, une pièce rare euh, on est plutôt tourné, nous ici à Monaco, vers les ventes de bijoux, les ventes de montres, les, euh, les ventes de tableaux toutes époques. Hein. Euh, effectivement, ça attire un public de plus en plus large. Et tout le monde donc peut se porter euh, acquéreur. Hein. Tout le monde peut se porter acquéreur, bien sûr. C'est une vente aux enchères publique qui se fait sous l'autorité à Monaco d'un huissier de justice. Ce qui est un avantage aussi puisque ça apporte une garantie, un procès-verbal, euh, ce qui n'existe plus, euh, par exemple, dans les pays euh, limitrophes. Et d'où viennent principalement les, les lots que vous mettez aux enchères bah, 40 ans, vous savez, de, de petits cailloux, euh, ça, euh, ça génère des, des, des relations avec des collectionneurs, des amateurs. Euh, nous sommes identifiés depuis un certain nombre d'années. Nous avons été, pour ce qui est de mon associé Chantal Beauvois, pendant 20 ans la, la collaboratrice de Jacques Tajan pour les, pour les bijoux, euh, donc à Paris. Euh, Moi-même, je me suis occupé auprès d'études de Tajan des, euh, des tableaux euh, modernes et impressionnistes. Donc tout ça nous donne évidemment... Euh, euh, j'allais dire euh, une antériorité qui, qui facilite euh, la perception des objets. Alors en avril prochain, vous allez organiser une vente intitulée de César à César, de l'antiquité au temps moderne. Comment se prépare une vente aux enchères comme celle-ci elle, elle est très importante. Hein Alors écoutez, nous avons la chance et, et j'allais dire le, le privilège d'avoir eu la confiance d'une euh, personnalité monégasque qui nous a confié euh, pour euh, euh, j'allais dire le, le cœur de cette vente. Euh, un grand marbre de César qui, qui, qui sera vendu le 29 avril au yacht club et ça nous a donné l'idée, comme nous avons aussi régulièrement des ventes d'archéologie, de marier, si vous voulez, toutes les époques de sculpture. Et nous avons intitulé cette, cette vente de César à César parce que nous avons des, pour commencer un buste antique de César et nous terminons par cette grande statue qui, qui ornait le hall d'un immeuble emblématique de Monaco. Et en combien de temps on constitue un, un catalogue comme celui-ci Écoutez, minimum trois mois, une fois que nous avons lancé le projet, que nous avons publié un petit peu partout dans les revues européennes. Euh, nous avons des, des sculptures qui arrivent de tous les coins de l'Europe. Merci beaucoup Franck Bay d'avoir été prie. avec nous. Et puis on, merci à vous. on regardera de près cette vente aux enchères qui se déroulera donc fin avril au Yacht Club de Monaco. On vous attend.